au fait YouTube. Bon, je suis Suzucube, le mec de 37 ans qui prend des Happy Meal, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Parce qu'il y a des cartes Pokémon, évidemment. Alors ça, c'est un petit... D'ailleurs, si vous êtes... Ah merde, c'est les 48 heures de la BD, mais c'était la semaine dernière. Mais en fait, vous aviez des mangas... Il n'y a pas que Pokémon, mais le premier épisode de Pokémon Noir et Blanc est à 2,50€ chez... 2,30€ même, je crois, chez Casabule en Martinique. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Dernièrement, regardez, ça c'est des bambous, vous avez vu. Et en fait, je suis à Madiana, c'est un cinéma en réalité. Mais ce qui est trop bien en Martinique, c'est que, tu vois, à côté du cinéma, voilà, t'as une belle pousse de bambou que j'avais envie d'être à côté, voilà, pour bouffer. La dernière fois, on avait déjà fait un unboxing du coup de ces cartes Pokémon-là. Ces cartes-là qui sont... Bon, je remonte rapidement, mais... En fait, c'est que des starters, hein. Tiplouf, Kaiminus, Fennec et Flambino. Voilà. Et du coup, j'ai acheté d'autres menus enfants que j'ai mangés au fil de la semaine. Et j'avais envie de, en fait, d'unboxer un peu. Alors, vous avez vu, elles sont systématiquement scellées, ces cartes. Hop là, c'est-à-dire que je ne les ai jamais ouvertes. Et voici les cartes. Bon, je ne vais pas revenir à chaque fois sur les... Il y a des autocollants dedans. Des fois, tu as des petits kits, tu vois. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Je suis curieux. C'est une sorte de diorama. Il est très joli. Ah, d'accord. En fait, c'est... Tu colles les autocollants sur... Là-dessus, tu colles les autocollants et tu fais ton petit paysage. J'avais ça quand j'étais petit, j'adorais ça, putain. J'adorais ça. Bah écoutez, hop, les deux, ils vont aller sur le côté. Alors, ce paquet de cartes, voyons voir ça. Est-ce que c'est facile à ouvrir? Bon, j'avoue, c'était pas facile à ouvrir d'une main. Du coup, un petit cut. Mais du coup, ah oui, du coup on voit les cartes de derrière. Du coup j'ai Marisson, Bulle Bizarre, c'est un des préférés celui-là. Marisson à nouveau, mais cette fois-ci il n'est pas en brillant quoi. Et Poussifeu. Bon, d'après ce que je vois, en fait, tu as une carte brillante par paquet. Ce qui est pas trop mal en fait. Hein. Mais après, ça va pas avoir grand chose parce que c'est vendu à des très très grands nombres d'exemplaires. Allez, suivant. Allez, même principe. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Oula, je renverse tout. Tortipous, qui a l'air claqué au sol. Salamèche, putain, lui. Par contre, il n'y a pas de Dracaufeu dans les cartes Pokémon. Il n'y a que des starters. Vous avez vu, c'est que des Pokémon de base. Tu peux pas avoir un Dracaufeu là-dedans. T'es fou, sinon les gens ils achèteraient tous les paquets d'Happy Meal et il y en aurait plus pour les enfants. Là-bas, c'est pour les enfants, c'est pour s'amuser. Hein. Hérissandre et Bradibou. Allez, j'en ai encore un là, celui-là là. Voir ce que ça donne. Allez, voyons ce que ça donne. Hop, là, on les retourne et voit direct comme ça. Oh, Otaquin en version brillante. Vipélière. Gruikui! Ah, j'adore Gruikui! Et Flambino. Lui, je l'avais déjà, Flambino. Et le dernier paquet, c'est celui-là le dernier? Ah, c'est celui-là le dernier paquet. Putain, j'ai ouvert et franchement, les autocollants, ils sont de qualité, quoi. Ça pète, hein. Putain, moi, les petits kits, là, comme ça, là. Ah ouais, je suis aux anges. Je vous montre pour pas que vous soyez frustrés de pas voir ce qu'il y a derrière, en fait. Ah, Gruikui! Gruikui! Il est où le paquet de cartes? Il est là. Bah, allez, unboxing. Bon, c'est à nouveau Vipélière. Oh putain, mais. Je suis en train de voir que c'est genre Vipélière langue, quoi. Putain, j'en ai plein des Vipélières, du coup. Bon, au moins, je l'ai en shiny. Enfin, pas en shiny, mais. En doré. Vipélière encore, il a entendu que j'aimais bien Gruikui, donc évidemment il est de retour, et Flamiaou que je n'avais pas. Voilà, bah, c'est tout pour ces cartes. Est-ce que je vous conseille d'acheter toutes les cartes Pokémon qu'il y ait, enfin, d'acheter des Happy Meal pour les cartes Pokémon? Non, parce que c'est des cartes très répandues et classiques, c'est que des starters, tu pourras pas faire un deck avec, t'as pas d'énergie, rien. Limite,
un espèce de produit publicitaire. Je veux dire, si tu veux jouer avec ça, faut acheter un deck derrière, tu vois. Ou faut acheter plein de boosters en espérant avoir des énergies, mais au moins un deck. Mais après, c'est bien, moi je suis content que ça revienne, parce que tu vois, c'est marrant à jouer, tu vois, tu poses ta carte, l'autre il pose sa carte en face, tu poses ton attaque feu, ça fait une attaque. Ça me rappelle des bons souvenirs, tu vois, Pokémon, c'est cool vraiment que ça revienne à la mode à 200%. Mais attendez, je suis en train de dire ça, mais... Tu sais, j'allais hurler s'ils avaient oublié mon paquet de cartes. Je vous avoue, j'en ai profité pour attraper des frites en me bouffant dans ma vidéo. Et ça, c'est pas cool, c'est pas bien. Voilà, et là-dedans, je crois que c'est le deck. Ouais, c'est ça. C'est le même que j'avais eu lors de mon premier unboxing. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est la déception, c'est un Germignon. J'aurais bien aimé avoir un Dracaufeu, non. Un Ptincelle non plus. Un Salamèche. Mais tu sais, shiny quoi. Enfin, brillant. Gobou, je l'avais pas lui non plus. Voilà, bah écoutez. Là-dessus, on se quitte. Hein. Avec tous mes emballages là. Mon petit trésor, je l'ai gardé là sur le côté. Bon ben voilà, c'était tout pour cet unboxing. Moi de mon côté, je vous laisse. J'espère que ce genre de petit unboxing en plein air, ça vous plaît. Mais j'ai cru voir déjà que ouais, vous aimez bien qu'on sort un peu dehors. Je vous dis à ciao les otaku, merci d'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye.